Eh bien bonsoir à tous, Étienne de Top Forphone, ce soir je vous teste le Wiko Highway 4G, le grand frère donc du Wiko 5, que je vous ai montré et testé il y a très peu de temps, et grand frère également successeur du Wiko Highway original qui était sorti l'année dernière, avec quelques petites options supplémentaires, dont notamment l'option 4G, ce qui n'est pas négligeable, pour un prix très agressif de 280€. Alors on va commencer le test tout de suite, on va pas perdre de temps. Alors, la hauteur de ce Wiko Highway 4G, il a une hauteur de 14,4 cm, une largeur de 7 cm, une épaisseur de 7,9 mm, donc il est vraiment extrêmement fin, tout a été optimisé dans ce châssis pour un poids de 143 grammes. Alors, on va faire tout de suite le tour du téléphone. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce téléphone? Bon, déjà, on va commencer les classiques, avec bien entendu capteur de proximité, de luminosité, l'APN qui est juste à côté. Alors, une des particularités, c'est justement ce contour que vous pouvez voir en aluminium. Donc là, on a l'ajout de matériaux plus premium, notamment dans les plastiques en général, qui sont plutôt de bonne qualité. Donc une finition globale qui est vraiment au rendez-vous. Donc l'aluminium, juste ici, juste pour le pourtour de ce téléphone, avec, vous pouvez voir donc les trois boutons d'interaction physique, donc le bouton marche arrêt, volume plus, volume moins. Voilà, donc la trappe d'insertion SIM qui est juste là, donc simple SIM, hein, uniquement jack 3.5 bien entendu, et le haut-parleur qui est juste là avec le micro, vous pouvez voir juste ici bien entendu le port micro USB. Donc une finition générale plus que satisfaisante pour ce Highway, avec comme vous pouvez le voir ici une particularité, c'est que l'APN juste derrière qui dépasse exactement comme le Wiko Highway original qui était sorti l'année dernière. Alors c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, notamment pour la protection des lentilles au niveau design, ça peut avoir un petit effet comme ça, mais voilà, sur le côté on peut voir qu'effectivement c'est le type de lentille qui peut s'abîmer assez rapidement puisqu'elle ne bénéficie d'aucune protection. Au niveau des finitions, si on regarde vraiment de très près, vous pouvez voir que c'est vraiment coupé au scalpel autour de cette bague en aluminium. Vous pouvez avoir deux bordures noir de chaque côté, qui viennent casser un petit peu ce bleu très 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 pétant du téléphone. Il faut savoir que vous pouvez le retrouver en différents coloris. Vous avez le noir et blanc classique, bien entendu. Et vous avez des couleurs un petit peu plus flashy, un petit peu plus aluminium. Vous avez ce bleu électrique que vous pouvez voir là, le violet et une couleur clémentine que j'ai pu entreapercevoir, qui est vraiment assez extraordinaire. On la voit de très très loin. Sachez qu'en tout cas, voilà, ce sont des couleurs qui font vraiment dans le vent. Mon neveu dirait que c'est vraiment trop stylé. Voilà, moi je préfère dire que c'est fun et c'est déjà pas mal. Donc voilà un design plutôt réussi qui avait eu du succès donc l'année dernière lors de la sortie du premier Highway et qu'on retrouve donc ici avec ce Highway 4G et qui présente plutôt bien. Voilà. Donc comme pour le Highway, on avait vu donc l'APN qui dépasse ici. Donc les boutons en général, comme vous avez pu voir, ils sont plutôt discrets, hein. Vous avez vu, ils sont aussi également en aluminium et de même couleur que la bague entourant le téléphone. Alors si j'avais juste une petite réflexion, un petit défaut à souligner, c'est la différence de couleur que vous pouvez voir entre le bleu électrique ici que vous pouvez voir sur la bague en aluminium et le bleu du plastique arrière, qu'on peut voir bien entendu par transparence sous une espèce de plastique bon, qui fait le succès de ce Wiko Highway, et qui n'est pas exactement le même, vous pouvez voir. Donc bah, c'est un petit peu dommage, je trouve que ça casse un petit peu le design, sachant qu'en plus ce bleu l'aluminium, en tout cas à mon goût personnel, est beaucoup plus sympathique que cette espèce de bleu roi qu'on peut voir juste ici à l'arrière. Mais en tout cas, voilà, au niveau du design, c'est sûr, c'est original et ça ne passe pas inaperçu. Sinon, concernant les tests de torture habituels qu'on peut faire chez Top Forphone, on aime bien ça, un petit peu sadique. Alors au niveau de la flexion, moi je m'attendais un petit peu à ce que ce téléphone plie, et ben pas du tout. Malgré sa finesse extrême, je vous rappelle 7,9 mm, donc il est vraiment extrêmement fin, il a une tenue qui est tout simplement extraordinaire. C'est bien ça, mais je ne peux pas le plier. Alors évidemment, si je force comme un bœuf, le téléphone va casser, ce n'est pas encore sûr. Mais en tout cas, voilà, une très 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 bonne résistance. Donc ça, c'est vraiment un excellent point pour ce téléphone, au niveau de son intégrité. Et par rapport à la pression, alors, c'est correct, ça veut dire qu'une pression moyenne, évidemment, si je fais ça, une pression moyenne, hop, on va plutôt, voilà, une pression moyenne va suffire à impacter l'écran. Voilà, il faut quand même que j'appuie un petit peu, hein. Il faut quand même que j'appuie un petit peu, mais rien de grave, puisque malgré cette petite souplesse de l'écran, bah voilà, on sent quand même une résistance qui est assez rassurante.
Concernant l'écran maintenant, alors sur quoi nous sommes? Eh bien écoutez, nous sommes sur un écran 5 pouces de type IPS, full lamination, couleur 16 millions bien entendu, avec une résolution full HD, donc 1920 par 1080 pixels, avec une protection Corning Gorilla Glass 2, donc quelque chose déjà d'assez complet sur le papier. Alors c'est vraiment pour moi, c'est vraiment un bel écran, avec des bons angles de vue et une bonne luminosité. Pour le prix, je vous rappelle, 280€, vous pouvez le trouver dans le commerce. Wiko ne se moque pas de nous. Alors si j'avais aussi un seul défaut à relever sur cet écran, ce serait au niveau des blancs, peut-être qui ont une tendance à tirer un petit peu sur le jaune, en comparaison notamment avec le petit frère Wiko 5, que vous avez ici. On va faire un test immédiatement. Donc on va mettre le 5 à gauche et le Highway à droite, et le 4G à droite. Alors est-ce que j'ai mis les applications? Voilà, screen test. Bien entendu, en luminosité maximale pour les deux. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Alors, évidemment, à l'écran, c'est un peu trompeur. On a même l'impression que c'est l'inverse ici. Mais pour moi, en tout cas, le Wiko Highway 4G ici, les blancs tirent un petit peu plus sur le jaune par rapport à un Wiko Science qui est juste ici, qui pour moi a un blanc plus propre. Alors, c'est moche parce qu'à l'écran, on dirait vraiment que c'est l'inverse. Mais bon. Pour le reste, la colorimétrie, pour moi, au niveau des noirs, bah, c'est le Highway qui est devant, qui a des noirs un petit peu plus profonds, un peu plus soutenus. Et comme je l'avais dit pour le Wiko Science, qui est un écran qui tire un petit peu plus sur le rouge. Donc, vous voyez, il a des couleurs assez franches, assez profondes par rapport à un Wiko Highway qui a des couleurs un peu plus délavées, entre guillemets, parce que là, c'est vraiment, je fais par rapport à la comparaison entre les deux téléphones. Sinon, que ce soit l'un comme l'autre, ils ont de très, 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 très bons écrans. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'était une petite parenthèse là pour faire une comparaison entre les deux. Bon, on va faire ça tout de suite aussi, quoi. Comme vous pouvez voir, donc au niveau du design, quelque chose vraiment très 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 similaire. Un des défauts, bien entendu, qu'on peut trouver aux deux téléphones, notamment, bah, c'est de garder assez facilement les traces de doigts. Bon, pour ceux qui aiment bien les téléphones immaculés, c'est raté. Franchement, c'est raté. Prenez un autre téléphone, sinon vous avez passé votre journée à le nettoyer. Mais donc voilà, un design que j'aime bien. Voilà, quelque chose de fin, quelque chose de plat, quelque chose de simple, quelque chose de propre et de bien fini en tout cas. J'aurais préféré, je vous avoue, pour le Highway, un APN comme celui-ci qui ne dépasse pas, voilà, qui vient pas casser ce design vraiment, vraiment très très sympathique. Et une des grosses différences, bien entendu, au niveau de la qualité de finition par rapport aux matériaux, c'est cet aspect premium, donc avec un tour en aluminium que vous pouvez voir pour la Highway 4G, et ici quelque chose beaucoup, beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus plastique, c'est du plastique tout simplement, quoi. Et bien entendu, une différence, le haut-parleur du Science qui se trouve à l'arrière en bas du téléphone et le haut-parleur du Highway qui se trouve bien entendu en bas sur un des côtés du pourtour du téléphone. Donc voilà, bien entendu, comme d'habitude, on va faire un test vidéo et un test de son avec les vidéos que vous connaissez. Alors attendez que je vous les mette. Non, c'est pas ça. Oula. Qu'est-ce qu'il me fait? À la boulette. Oh, génial, évidemment. Alors, on va faire une petite pause. Je reviens tout de suite, puisqu'il me demande d'installer un codec spécialement pour le Tegra 4i qui est installé à l'intérieur de ce téléphone. Donc, on va faire une petite pause et je vous dis à tout de suite. Hop, excusez-moi pour ce petit montage, un petit fail, ça faisait longtemps. Et donc nous voilà de retour pour le test vidéo sur ce Highway 4G proposé par Wiko. Avec les vidéos dont vous avez l'habitude, notamment on commence avec le 720p, luminosité au maximum. Nous allons bien voir ce qu'il a dans le ventre. On va mettre un petit peu de son quand même. Non mais pas trop loin non plus, quoi. Alors comme vous voyez, bon déjà au niveau des capacités de lecture vidéo de Wiko Highway, notamment par rapport à sa puissance pour pouvoir faire tourner des fichiers vidéo plutôt lourds, là on est sur du 720p, comme vous voyez, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire on peut avancer, on peut reculer, voilà, la réaction est quasi instantanée, c'est vraiment très 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 appréciable. Maintenant par rapport aux angles de vue, bah, comme vous pouvez voir, une bonne luminosité, vraiment aucun souci, là je vous avais dit je suis au maximum. On va se mettre sur les images un peu plus claires. Alors évidemment là, on va se mettre plutôt comme ça, voilà. Comme vous pouvez voir, vraiment aucun souci au niveau des angles de vue. Alors forcément, il y a une petite perte de luminosité, comme tous les téléphones. On n'est pas non plus sur le top, top, top du top de l'écran, mais on est quand même sur une très, très bonne qualité. En capacité du téléphone à lire les fichiers en 720p, aucun problème. Et on continue avec le 1080p. Et aucun souci non plus. Aucune saccade, c'est fluide, voilà, donc un téléphone largement, largement, largement assez puissant pour regarder tout type de vidéo, en tout cas jusqu'en full HD. Avec quand même de très, 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 très belles images.
Voilà, c'est vrai qu'avoir un fichier, pouvoir lire en 720p, 1080p, ça ne pixelise pas, c'est fluide, c'est quand même très 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 agréable. Surtout sur un écran de 5 pouces comme ça, franchement, idéal pour le multimédia, autant en profiter, rien à dire. Sinon, on continue avec le test son, comme vous avez pu voir ici, la petite sortie du haut-parleur qui est juste en bas du téléphone. On va pouvoir voir ce que ça donne dans la réalité, dans la pratique. Mouchika, à fond. Alors évidemment, au niveau du design, je trouve ça très très bon. Vraiment, c'est très très bon, voilà, c'est bien caché, ça ne vient de pas casser l'intégrité du téléphone. Maintenant, au niveau de la logique de sortie de son, quand on écoute quelque chose, donc quand on regarde une vidéo, voilà, déjà le côté stéréo, bah, on peut l'avoir, c'est pas terrible, parce que ça nous arrive que vers une oreille, enfin, ça dépend de quel côté on se pose ensuite. Maintenant, un des points positifs, c'est qu'on peut poser le téléphone, que ce soit sur le dos ou que ce soit sur le ventre, bah, le son sort quand même, il n'y a pas de problème, il n'est pas étouffé. Donc on va avancer un petit peu pour voir un peu dans les basses qu'il peut donner. Franchement, je m'attendais à pire, alors bien entendu c'est pas extraordinaire vu la configuration de sortie du son du téléphone au parleur, mais voilà, son quand même un petit peu étouffé, c'est pas extraordinaire. Maintenant bon, comme d'habitude, hein, ceux qui aiment bien écouter de la musique MP3 vont plutôt mettre un bon casque sur le jack 3.5 qui est juste là, donc c'est vraiment du dépannage en tout cas pour écouter la musique, mais sachez que c'est correct, sans plus, bon voilà. Pour le test son. Sinon, bah, en conversation, quelque chose d'assez important, l'écouteur principal que vous pouvez voir ici, bon, il est excellent, tout simplement. J'ai été très, 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 très étonné, parce que des Wiko que j'ai testé jusqu'à présent, 6 entrées de gamme, hein, quand même, au bout du 6e, je commençais à avoir un petit peu marre. J'étais content de retourner sur une gamme un petit peu plus premium, on va dire, notamment avec ce Science, avec ce Highway 4G. Et au niveau de la qualité de son, j'ai été très, 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 très surpris, vraiment. Ni trop diffus, ni trop unidirectionnel. Franchement, c'était parfait. Rien à dire non plus sur la qualité du micro. C'était quelque chose de vraiment très bien. Eh ben voilà, super. Eh ben vous avez pu voir. Bon, ben voilà, je reçois les SMS, on ne va pas les lire en direct. Oh, le téléphone marche. C'est bien, il marche, je reçois les SMS. Donc, comme je vous disais, en conversation, vraiment nickel. Très, très bonne surprise. Un excellent bon point pour le Highway, en tout cas, au niveau de l'écouteur. Du son, bah pour le coup, ça vous permet de voir la diode de notification qui est juste là, à côté du logo Wiko. Voilà. Sinon, concernant les benchmarks, parce que oui, on va attaquer les benchmarks. Alors, avec les captures d'écran que j'ai faites. Alors, que je les retrouve. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà, par rapport à ce téléphone, c'est qu'il est possible de jouer sur 3 modes de performance différents qui vont influer sur la puissance du processeur et donc sur la consommation de la batterie. Et j'ai basé mes tests sur le mode performance que je vais vous montrer ici. Non, vous avez des raccourcis qui sont juste là, bien entendu, dans la barre des tâches. Avec, comme vous pouvez voir ici, optimiser la performance qui va vous ramener vers 3 choix possibles. Donc un choix économiser la batterie, donc comme vous pouvez voir ici qui va faire fonctionner 2 cœurs maximum et limiter la fréquence à 1,8 GHz. Le mode équilibre, qui est le mode du milieu tout simplement, hein, qui va utiliser les 4 cœurs avec une limite de fréquence désactivée, limite d'image par seconde FPS de l'application, donc 30 images par seconde. Et le mode optimiser la performance, où là on lâche les chevaux. Et qui va nous donner des performances extraordinaires. Donc j'ai basé mes tests sur ce mode optimisation de la performance maximale. Donc je retourne sur la galerie. Donc les différents tests que j'ai pu faire, classiques, hein, dont vous avez l'habitude, AnTuTu, Benchmark, Quadrant, Tecpix, Citadel et 3D Mark. Alors AnTuTu, un score de 29 646 points, ce qui est un très bon score, mais je m'attendais avec le processeur LGPU qui est à l'intérieur de ce téléphone, à avoir des scores qui dépassaient les 30 000, mais on est quand même tout près, 26 646, ce qui est quand même un excellent score. Ensuite, oui, donc ça sont d'autres tests que j'ai fait. Ça, c'est notamment le test en mode milieu, donc en mode équilibre, donc 12682, donc une baisse drastique des performances. Donc c'est celui-là, 14558, donc pour le mode équilibré. Et pour le plus petit mode, donc il n'utilise que 2 cœurs, 12682. Donc voilà, vous voyez une baisse de performance très claire entre le mode du milieu et le mode maximum. Sinon, alors, Quadrant, où est-ce que je l'ai mis? Quadrant, le voilà. Avec un score de 8752, ce qui est un excellent score. On continue avec Epic Citadel, que j'ai testé en mode high performance,
qui m'a donné donc un score de 54,6 FPS. N'oublions pas qu'on est en 1080p, quand même en Full HD, donc ce qui est quand même un beau score. Et le score de 3D Mark qui m'a donné un excellent score de 10 015 points. Donc c'est des scores qui viennent tout à fait confirmer la moyenne de ce que peut nous dire les conclusions de ces 4 tests de benchmark. Alors donc de très 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 bons scores en général. Alors pourquoi on a ça? Tout simplement parce qu'on a la chance d'avoir Nvidia, donc le plus grand constructeur de processeurs graphiques au monde, qui connaît donc bien l'univers du jeu vidéo, je vous fais pas l'historique quand même, et qui a équipé donc ce highway du processeur Tegra 4i, donc un quad-core très généreux, cadencé à 2 GHz, et un GPU, le GeForce ULP, ainsi que 2 Go de RAM en renfort pour le multitâche, ce qui est vraiment très bien. Donc les résultats en mode performance, franchement, c'est un téléphone très très fluide, dans les bureaux, comme dans les menus. Vous voyez, il n'y a aucun souci, c'est vraiment très fluide. On va retourner dans les menus, hein, pour que vous voyez ça, mais il n'y a vraiment aucun problème, en tout cas pour l'utilisation classique dans les bureaux du téléphone. Avec un comportement vraiment exemplaire en phase de jeu. Alors pour le coup, j'ai testé que des grosses distances, du Spider-Man 2, du Modern Combat 5, Asphalt 8, qui se joue parfaitement. La réactivité du téléphone est vraiment immédiate pour un gameplay qui pour moi était très 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 agréable. Et en plus, comme nous sommes sur un 5 pouces Full HD, le plaisir est total. Alors l'inconvénient sur les joues gourmands en ressources, c'est qu'au bout de 5 minutes de jeu, la coque arrière se transforme en véritable plaque de cuisson. Alors ok, c'est sympa pour y faire griller un steak, mais un petit peu moins pour le confort des mains, notamment quand on est un gros gamer et qu'on aime bien jouer pendant une demi-heure, une heure, au bout des moments, ça peut être un petit peu dérangeant. Et pour tous les gros téléphones qui ont des gros GPU, des gros processeurs, c'est le cas. Voilà, je pense que c'est toujours comme ça, en tout cas sur les différents téléphones haut de gamme que j'ai pu tester. Ça chauffe, c'est indéniable. Donc, comme je vous disais, de très bonnes performances, même en choisissant le mode intermédiaire du processeur. Alors, on a vu un score en tout qui est beaucoup moins important, mais qui permet quand même de jouer de façon suffisamment fluide. Mais la contrepartie, pour le coup, c'est une fluidité dans les bureaux moins optimale. Alors, attention, moins optimale, ça veut pas dire que ça saccade, mais dans le défilement, vous allez voir, comme là, je suis en mode performance, si vous regardez le défilement, c'est vraiment extrêmement fluide, il n'y a aucun problème. Je vais me mettre immédiatement en mode équilibre. Et alors, je sais pas si on pourra le voir à la caméra. On va pas voir des saccades, mais voilà. On sent que c'est un petit peu moins fluide quand même. Alors, au niveau de l'utilisation, ça change pas grand-chose. Le téléphone réagit parfaitement. Mais voilà, on voit qu'effectivement, tout le processeur et tout le GPU ne sont pas utilisés à leur plein potentiel. Et ça, dans l'optique d'économiser la batterie. Sinon, ça c'est vraiment pour chipoter, là je parle pour les puristes de la fluidité. Sinon, côté mémoire de stockage interne, nous sommes sur 16 gigas de mémoire interne et sans possibilité d'étendre la mémoire. Et il n'existe même pas de version 32 gigas ou 64 gigas, c'est 16 gigas point barre. Et pour moi, la Wiko a quand même fait une petite boulette, parce que 16 gigas c'est quand même le strict minimum pour pouvoir s'amuser, surtout quand on a un bestio pareil. Alors sinon, concernant la connectivité, ce Wiko Highway 4G nous propose bien entendu, comme le titre, de la 4G LTE catégorie 4, capable de 150 mégabits par seconde en download, en théorie en tout cas, on sait bien que les opérateurs brident tout, il n'y a pas de souci. Puis en fonction des sites aussi, ça dépend, de la H+, évidemment, la 3G, 4G n'empêche pas d'avoir la 3G, du Wi-Fi, BGN, du Bluetooth stéréo 4.0, du GPS à GPS, de l'USB OTG, et attention, le téléphone ne prend qu'une SIM, il n'est pas double SIM comme d'habitude dans les produits que nous propose Wiko. Voilà, sinon concernant la réactivité du GPS, il a mis exactement 25 secondes pour me localiser comme d'habitude dans le cours d'une copropriété parisienne, ce qui est pas mal du tout, sachant que le Wi-Fi a aussi une sensibilité que j'ai trouvé tout à fait normale, ni trop forte, ni trop faible, pas trop sensible, enfin c'est bien quand c'est sensible, mais vraiment tout à fait normal. Idem pour les réseaux opérateurs, la capacité qu'a le téléphone à capter les réseaux pour pouvoir téléphoner tout simplement, rien de particulier à souligner, quelque chose d'équilibré, un bon comportement. Et une grosse surprise, c'est par rapport au DAS qui est à 0,260 watts par kilo, sachant, je vous rappelle, que la limite maximum autorisée est à 2 watts par kilo, ce qui est donc un excellent score. On n'en voit pas souvent des comme ça, en tout cas pour cette fin d'année 2014, c'est vraiment extraordinaire. Et là, bravo Wiko, c'est aussi un très 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 bon point, et rassurant pour nous. Sinon, concernant le système, on est sur de l'Android, bien entendu, de l'Android KitKat 4.4.2, dont vous avez l'habitude maintenant et qui équipe tous les Wiko qui sont sortis en cette fin d'année.
Hop. Effectivement, nous sommes bien sur du KitKat. Dis donc, tu vas disparaître, toi. Voilà. Petite animation classique. Alors, sinon, cet Android KitKat 4.4.9, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une version bien stock, hein, bien brute de fonderie, comme d'habitude, pas de surcouche chez Wiko. Donc, il manque clairement d'un petit peu d'esthétique, on va dire ça comme ça, mais qui reste quand même très très simple à l'utilisation, très complet. Vous avez toutes les applications de base nécessaires pour pouvoir profiter de ce téléphone. Ensuite, bien entendu, vous avez le Google Play pour pouvoir alimenter le téléphone en applications diverses et en jeu en fonction de vos besoins. Voilà. Sinon, concernant l'APN que je vous avais montré juste ici, qui est là avec le flash juste à côté, c'est un APN avec un appareil photo frontal de 16 millions de pixels avec flash LED, pardon, donc j'ai du mal ce soir. Donc 16 millions, on est sur de la grosse résolution avec différentes options classiques, bien entendu, face detection, smile shot, panorama, HDR, bien entendu, une des spécialités d'NVIDIA, avec une réactivité assez satisfaisante et un appareil photo frontal de 8 millions de pixels. Extraordinaire pour les selfies, voilà, pour se prendre en photo soi-même, plutôt que d'avoir des vieilles photos bien pixelisées quand on est comme ça avec un petit APN avant qui est pas terrible, à 8 millions, on devrait pouvoir, en tout cas en théorie, faire de bonnes photos. Zoom numérique, bien entendu, mise au point automatique, et ce téléphone a la capacité de pouvoir faire enregistrer des vidéos en Full HD et en 720p avec cet APN frontal, donc aussi un excellent bon point. Donc bien entendu, on va faire les tests photo habituel avec Marco qui vient nous rejoindre pour les tests, hein, parce que c'est le mannequin officiel, hein, quand même, y a pas de souci. Alors bien entendu, avec flash et sans flash, alors une première photo sans flash, petit sourire, non, voilà, sans flash, et on va continuer avec flash. Et je vous propose de voir le résultat tout de suite. Donc avec flash, bon là pour le coup la mise au point s'est faite sur le haut des oreilles. Mais voilà, 16 millions de pixels, on est sur de la grosse résolution. Donc voilà, pour peu que la vidéo soit bien cadrée, que la mise au point soit bien faite, vous pouvez faire des petits agrandissements quand même sympathiques, puisque la qualité, vous pouvez le voir, elle est quand même au rendez-vous. Donc là on est sur sans flash. Voilà. Donc sinon, l'usage pro ou perso avec ce téléphone, qu'est-ce qu'on peut faire? Les deux, évidemment, il n'y a pas de souci, quoi. Le téléphone, il est largement assez puissant. Voilà, l'écran est grand, il est confortable. Par contre, petit bémol, bon, on peut y mettre qu'une SIM. Donc c'est ballot, mais c'est comme ça. Mais sinon, l'usage est possible, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est vrai que le double SIM pour l'usage professionnel, c'est quand même plus pratique pour éviter de se trimballer avec deux téléphones. Sinon, la batterie, c'est une batterie de 2350 mAh. Et là aussi, j'ai été plutôt agréablement surpris, puisque 2350, je me disais, oh mon Dieu, avec un processeur Nvidia Tegra 4i, bah, qui pour le coup gère plutôt bien la batterie et pas si gourmand de ça, malgré les performances qu'il propose pour le consommateur. Donc 2350, pour faire marcher tout ça, bah, le téléphone tient la journée, sans problème. Par contre, effectivement, dès que vous activez le mode performance et que vous commencez à jouer un petit peu avec l'écran, augmenter la luminosité, parce qu'on est sur du 5 pouces avec une bonne résolution, et ça, croyez-moi aussi, ça pompe bien sur la batterie, et ben la batterie se décharge très rapidement, mais ça c'est normal, et pour tous les téléphones très puissants avec un bon écran et une bonne résolution, bah, c'est exactement la même chose. Donc voilà, maintenant on arrive à la conclusion. Alors naturellement, bah, pour moi c'est un grand oui pour ce téléphone, qui est digne d'un grand, voilà, aussi bien dans la qualité de fabrication que dans les options et dans les performances qu'il propose. À 280 €, bah, croyez-moi, ils sont quand même pas nombreux les produits pouvant le concurrencer. Donc c'est un grand oui pour moi. Alors les plus, bien entendu, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, on va mettre la 4G. La 4G qui est un grand plus, une très belle option par rapport au Wiko Eyewear premier du nom qui était sorti l'année dernière. C'est ce qui lui manquait. Je mettrai aussi un excellent rapport prix-performance, parce qu'à 280 €, pour avoir un Nvidia Tegra 4i sur un écran 5 pouces Full HD avec une belle qualité de fabrication comme ça, franchement, comme je vous le disais, on n'en trouve pas partout.
Je mettrai aussi en plus, et ça je ne mets pas souvent, la qualité de son général en tant que téléphone, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire en appel et pour le micro. Vraiment très bien, très confortable. Et effectivement, de temps en temps, on a tendance à oublier un petit peu ça, mais c'est quand même un téléphone à la base. Et évidemment, dans les plus, je mets Nvidia, bah voilà, qui est là, un constructeur de cartes graphiques de renom, qui est là ici sur ce téléphone pour optimiser les performances visuelles des jeux. Et ça, c'est très bien. Je mettrai également aussi dans les plus les résolutions APN, donc 16 millions de pixels arrière et 8 millions de pixels avant, voilà, qui sont assez rares à ce prix-là, voilà, 280 €. Et dans les moins, parce qu'il y en a quand même, bah, je mettrai le simple SIM. Bah, c'est pas énorme, c'est un petit moins, mais quand même, puisque Wiko nous avait habitué à du double. Et surtout, une grosse erreur de Wiko, ne proposer qu'une version 16 Go sans possibilité d'étendre la mémoire interne. Et ça, quel dommage, franchement, c'est ballot. Parce que quand on a un téléphone puissant qui est fait pour le jeu, avec un bel écran de 5 pouces comme ça, en Full HD, fait pour jouer, on a envie d'y mettre des vidéos, de faire des photos, de filmer. En plus, quand vous filmez en 1080p, bah voilà, une minute, ça vous prend direct 100 ou 150 mots, il n'y a pas de souci. Pouvoir stocker du MP3 aussi, alors pourquoi brider à ce point-là la mémoire à 16 Go? Franchement, je comprends pas, mais bon, c'est comme ça. Enfin, ce téléphone reste quand même, pour moi, très très bon. On est en plein dans ce qui fait la force de Wiko, c'est-à-dire rendre accessibles les performances à ceux qui n'en ont pas forcément les moyens. Et ça, on aime bien ça chez Top 4 Phone. Donc voilà, ce test est terminé. Bien entendu, retrouvez-nous sur le site Top 4 Phone, Facebook, Twitter et bien entendu notre chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt pour de prochains tests. Salut !